Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau pour partager en votre compagnie de nouvelles informations concernant les différentes activités qui vont se tenir sur la commune de Vernier. Comme de semaine en semaine, et même d'année en année maintenant, nous avons pris l'habitude de partager ces informations en différentes langues, ce qui veut dire que pour l'émission d'aujourd'hui, en accompagnement du français, nous avons le plaisir de partager notre agenda hebdomadaire en arabe avec la présence de Tikra. Tikra, bonsoir. Bonsoir Bernard, أحبتي أعزائي وأصدقائي وصديقاتي أسعدتم مساء أن أحييكم تحية المساء الطيبة كما اعتدت أن أحييكم إياها أمسية كل أربعاء لنلتقي معكم ونلقي بين حضراتكم نشرة نشاطات وفعاليات المنطقة لما تبقى لهذا الأسبوع وللأسبوع القادم. نتمنى أن نكون مفيدين وممتعين لكم بنفس الوقت، فأهلا وسهلا بكم. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous aurons simplement le français et l'arabe pour vous présenter les différentes activités. Et vous allez vous rendre compte que puisque nous sommes presque à mi-novembre, au fur et à mesure que l'on va se rapprocher des fêtes de fin d'année, il y aura de plus en plus d'activités dans l'agenda, mais nous ne pouvons que nous en réjouir. Et déjà, le menu pour ce soir est relativement copieux. Tout de suite, la première information dont vous pouvez prendre connaissance, nous sommes dans le cadre du festival Rendez-vous baroque à Vernier, dont on a commencé à parler la semaine dernière. Dans les différentes dates que vous pouvez retenir pour les prestations musicales de ce festival, la plus proche de nous est la semaine prochaine, mercredi 16 novembre à 20h. Ce sera l'ensemble Témonos qui se produira à la salle des fêtes du Lignon. On donnera l'occasion à la population de découvrir des œuvres de Balsare, Galuppi, Benedetto Marcello ainsi que Antonio Vivaldi. La durée du spectacle est aux alentours de 1h et il n'y aura pas d'entracte pour cette prestation. Donc voilà le prochain rendez-vous pour le rendez-vous baroque à Vernier, mercredi 16 novembre à 20h, et c'est à la salle des fêtes du Lignon. أحبتي ضمن المختارات الإخبارية التي تعرض نشاطات الأسبوع القادم اخترنا لكم ما نبتدئ به هذه النشرة إذ سيكون لكم موعد قادم مع موسيقى الباروك الذي سيقدم في منطقة فيرنيا في يوم الأربعاء المصادف 16 من شهر نوفمبر الحالي عند الساعة 8 مساء. اسم العرض سيكون انسامبل تيمونوس، وهذا العرض سيقدم على قاعة سال دو فيت ديلينيون. المقطوعات الموسيقية المنتخبة ستقدم لحضراتكم من مؤلفات الموسيقيين بلساغ، جالوبي، بنديت، ماتشيلو، أنتونيو فيلفادي، فيفالدي. مدة العرض ستكون ساعة كاملة، لن تتخلل خلال مدة العرض أي أوقات استراحة، ستكون مدة عرض متواصلة. فإذا موعدكم القادم مع موسيقى الباروك في يوم 16 من شهر نوفمبر الحالي والذي سيصادف يوم الأربعاء المقبل. Pour le samedi qui vient, nous aurons la fête de la paroisse protestante de Vernier qui va se tenir. Et pour cette année 2016, c'est une nouvelle formule qui est mise en place. Cette fois-ci, la fête se tiendra seulement sur une journée. La date donc, c'est samedi prochain. Nous serons le samedi 12 novembre et dès 10h, la manifestation commencera. On vous rappelle que la paroisse protestante de Vernier se trouve au chemin de Salles et on espère que vous serez nombreux à vous déplacer pour découvrir cette nouvelle formule. نبقى في أجواء الاحتفالات والعروض الفنية. هذه المرة سنقدم لكم خبرا يخص الفيت دو لا باغواس دو فيرنيا. هذا الاحتفال سيقام في يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي وسيكون يمتد طيلة نهار السبت ليس القادم وإن السبت الذي يلي السبت القادم. تبدأ الاحتفالات من الساعة 10 صباحا وتستمر طيلة نهار السبت. أما موقع هذه الاحتفالات فسيكون في شمال دو سال. فإذا بإمكانكم أن تأتوا جميعا لكي تشاركوا في هذه الاحتفالات.
Autre exposition que l'on retrouve comme lieu utilisé assez régulièrement, à savoir la maison Chauvet-Lulin. Ce week-end, eh bien, il y aura une nouvelle exposition qui commencera le vendredi à partir de 18h et qui se tiendra encore le samedi et le dimanche, là de 14h à 19h. Ce sont deux artistes qui exposent, Verena Bruguière et Barbara Tranchet. Voilà donc un rendez-vous artistique que vous retrouverez à la maison Chauvet-Lulin vendredi à partir de 18h, samedi dimanche entre 14h et 19h. نبقى في أجواء العروض الفنية، فبانتظاركم أيضا معرض فني يقدمه لكم في شوفي دو لولون في يوم 11 من شهر نوفمبر الحالي. المعرض يفتح أبوابه يوم 11 من شهر نوفمبر عند الساعة 6 مساء، أما يومي 12 و13 من شهر نوفمبر فسيفتح المعرض أبوابه عند الساعة 2 بعد الظهر مستمرا حتى الساعة 7 عصرا. المعرض لفنانتين تشكيلتين سيقدمان لكم الكثير من اللوحات الفنية المقترحة على ذائقتكم. Encore une autre exposition, cette fois-ci organisée sous l'égide du contrat de quartier de Châtelaine-Balexert. C'est un intitulé que vous devez déjà avoir entendu puisque ce n'est pas la première édition de cette exposition. Elle s'intitule Talents de nos quartiers. C'est un marché d'art et artisanat local. Ça se tiendra ce week-end, c'est-à-dire samedi 12 et dimanche 13 novembre. Les horaires sont similaires pour les deux jours. La manifestation commence à 11h et se tient jusqu'à 18h. Le lieu où vous pourrez découvrir eh bien, toutes les réalisations de ces artisans, c'est à la salle de gymnastique de l'école de Châtelaine et exceptionnellement, le parking gratuit sera prévu dans le préau de l'école. Voilà une occasion supplémentaire de vous rendre sur le site pour profiter de cette exposition. Sans cela, il vous le faudra patienter encore une année jusqu'à au moment 2017. وأيضا في أجواء المعارض الفنية والنشاطات للمواهب هذه المرة خبرنا يتعلق بالمواهب الفنية المتعلقة بالفنانين المختصين بالصناعات اليدوية، فهناك عرض لاستقبال إبداعاتهم الفنية وما تنتجه ابتكاراتهم وأياديهم المحترفة كي يعرضوه أمام حضراتكم. لديكم فرصة من يومين لكي تعرضوا منتجاتكم ولكي يتاح للجمهور أن يتبضع هذه التحف الفنية والمصبوغات والصناعات اليدوية. أيضا الجمهور سيكون حاضرا لكي يقتني ما يحب. فإذا أمامكم فرصة يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي ويوم 13 من شهر نوفمبر أيضا. تبدأ هذه العروض باستقبال المواهب الصناعات اليدوية من الساعة 11 صباحا مستمرة حتى الساعة 6 عصرا. أما موقع هذه الاحتفالية أو هذا النشاط فسيكون على سال دوجيم دوليكول دو شاتلين. فإذا هناك فرصة مجانية أيضا لكي تتابعوا المعروضات للمواهب اليدوية، وأيضا فرصة لمن يستعمل سيارته الخاصة، فالباركينج راح يكون مجاني. هذا خبر ممتاز لمن لديه سيارة خاصة. Une autre activité, ou plus exactement un rendez-vous que l'on vous donne, ce sont les vétérans du Football Club de Vernier qui organisent une soirée disco. Elle se tiendra le samedi 12 novembre dès 21h. Le lieu, c'est la salle communale de l'école de Vernier Place. Le montant de l'entrée est modique puisqu'il est de 20 francs et en plus il comprend une consommation. Voilà donc un rendez-vous fort plaisant et qui plus est permettra de soutenir financièrement le football club de Vernier. Donc on vous rappelle la date, c'est samedi 12 novembre dès 21h, soirée disco, prix de l'entrée 20 francs avec une boisson. يبدو أن يوم السبت سيكون حافلا بالنشاطات في كل مكان من منطقة فيرنيا، ستكون هناك فعالية ونشاط وأمسية. فنادي كرة القدم لمنطقة فيرنيا سينظم سهرة
سهرة ديسكو بالحقيقة يدعوكم إليها أنتم وأصحابكم وأصدقائكم لكي تقضوا أمسية ليلة السبت المصادف 12 من شهر نوفمبر لقضاء أوقات رائعة مع موسيقى الديسكو. تبدأ الموسيقى والعروض الفنية من الساعة 9 مساء وتستمر حتى نهاية السهرة. موقع هذه الحفلة بالحقيقة سيكون سال كومنال دو ليكول دو فيرني بلاس. أما تذكرة الدخول للشخص الواحد مع المشروبات ستكون فقط 20 فرنك للشخص الواحد. Sur Vernier, vous savez qu'on met un accent assez marqué sur le programme culturel, mais celui-ci ne s'adresse pas uniquement aux adultes, bien au contraire, quand on dit programme culturel, cela concerne aussi le jeune public, dont notamment le rendez-vous que l'on va vous donner maintenant, spectacle qui se tiendra à la salle des fêtes du Lignon et qui s'intitule « Les voyages fantastiques de Jules Verne à Méliès ». Ce spectacle sera présenté par les compagnies Les Tréteaux de la Pleine Lune et les trottoirs du hasard. Samedi 12 novembre, c'est le jour où se tiendra le spectacle. L'heure, c'est à 16h30. C'est donc à la salle des fêtes du Lignon. Le temps estimé pour la durée de ce spectacle est de l'ordre de 1h20. Et là aussi, c'est sans entracte. La durée a son importance selon l'âge des participants que vous emmenez avec vous. En tout cas, c'est certainement un très beau voyage que l'on vous proposera. On vous en rappelle l'intitulé « Les voyages fantastiques de Jules Verne à Méliès ». Rien que le titre, on a déjà commencé à voyager. وكما ذكرت يوم السبت حقا هو يوم حافل، فهناك أيضا عرض يقدم لكم سبيكتاكل على سال ديفيت دولينيون. هذا السبيكتاكل راح يقدم لكم فرصة لمتابعة لفوياج فانتاستيك للكاتب الشهير جول فيرن. طبعا مدة العرض ستكون حقيقة مدة طويلة، لكني واثقة بأنكم لن تشعروا بالملل، فهناك كثير من متعة المشاهدة التي تنتظركم في هذا السبكتاكل. مدة العرض ستستغرق ساعة وعشرين دقيقة بدون استراحة وبدون توقف. هذا العرض كما ذكرت لحضراتكم يقدم لكم يوم السبت المصادف 12 من شهر نوفمبر الحالي عند الساعة 4:30 عصرا على سال دو فيت دو لينيون. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'était un très bel agenda pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis j'ai reçu ce matin tôt une dernière petite information, c'est pour ça qu'elle n'était pas dans les documents que j'ai fait circuler. Elle concerne la séance du conseil municipal qui aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi 15 novembre. À l'intention du public, attention, merci de noter qu'il y aura un changement d'heure. D'habitude, la séance du conseil municipal commence toujours à 20h30, mais cette fois-ci, face, je dirais, à l'ordre du jour, qui est assez copieux, la séance plénière du conseil municipal commencera à 20h et non pas à 20h30. Et qui plus est, si l'ordre du jour n'était pas épuisé lors de cette séance du 15 novembre, il est prévu une deuxième séance le 17 novembre, du fait de l'importance des sujets qui vont être discutés. Voilà qui devait être signalé si, en tant que citoyen et résident de notre commune, vous assistez aux séances du conseil municipal. Il faut être là avant le début de la séance, après les portes sont fermées. Donc sans ça, vous resteriez dehors. Vous savez donc que si vous nous regardez ce mercredi, c'est soit que vous résidez aux Avanchais, soit encore que vous nous regardez via Internet. Eh bien, sans cela, le jeudi, à partir de 14h, vous pourrez nous retrouver sur le réseau UPC ou sur le réseau Naxou. Et en étant patient, d'ici à la fin de la semaine, nos images seront disponibles sur YouTube. Et puis surtout, si vous voulez connaître les activités de Canal 29, n'hésitez pas à aller consulter notre page YouTube. Et depuis une semaine, l'intitulé de la page YouTube a été légèrement modifié. C'est maintenant Canal 29 Avanchais Vernier. Pourquoi? Parce que sous l'appellation Canal 29 tout seul, nous avons eu des petits ennuis avec notre page, mais aussi il y a plusieurs télévisions dans le monde qui s'appellent Canal 29, et notamment en Espagne ou en Amérique du Sud, ce qui a posé des petits soucis. Donc, si vous voulez nous retrouver sur Facebook, vous tapez simplement Canal 29, Avanchais, Vernier, et là vous serez sûr de nous retrouver. Évidemment, pour l'instant, la page n'est pas encore très nourrie puisque nous repartons de zéro, mais finalement, c'est un nouveau défi et on adore les nouveaux défis. أحبتي
قدمنا لكم الكثير من النشاطات والفعاليات التي فعلا سيسعدني جدا أن تشاركوا فيها. المهم، انتهى عرضنا اليوم لهذه النشاطات، وننتظر منكم أخباركم التي يمكن أن تشاركونا بها عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عبر إيميلنا على كانال فانتنف. على فكرة، صفحتنا في الفيسبوك تم تعديلها لتكون كانال فانتنف ديزافونشي فيرنيي. بهذه الحالة، لأن هناك كثير من كانال 29، حتى لا يختلط عليكم الأمر، عملنا على تعديلها إلى كانال 29 ديزافونشي فيرنيي. بهذا ما راح تضيعون. طيب، يبقى عليكم أنه تراسلونا كما رتبنا معكم تغيير وتعديل الصفحة. أيضا سنستقبل ملاحظاتكم، سنستقبل نشاطاتكم، صوركم وكل فعالياتكم برحابة صدر وبسعادة تامة. إذا فاتكم أن تتابعوا هذه الحلقة، يمكنكم إعادة مشاهدتها يوم السبت القادم عند الساعة 8 أيضا. أما إذا أحببتم أن تتابعونا أكثر، يمكنكم أن تجدونا على صفحات اليوتيوب. لم يتبقى لي شخصيا ولباقي فريق العمل سوى أن نتمنى لكم أمسية طيبة وعطلة أسبوع هانئة. نلتقيكم الأسبوع القادم، كونوا بخير، إلى اللقاء. Cette émission donc arrive à son terme, mais vous en connaissez le principe si vous l'aviez manqué. On la retrouve sur Internet, on la retrouve sur le téléréseau, et puis sans cela, eh bien, venez simplement nous voir la semaine prochaine, le mercredi à 20h, pour une nouvelle émission. Et les techniciens qui ont œuvré derrière les caméras ou devant les régies se réjouissent déjà que le nombre de participants à nous regarder, que ce soit sur le réseau câblé ou sur Internet, ne puisse que grandir. Toute l'équipe vous salue, vous espère au rendez-vous mercredi prochain à 20h. Excellente fin de soirée.